Il est 4 heures du matin, quelque part dans le centre de la France. À l'abri des regards, dans un village reculé, un briefing vient de démarrer. L'arrière des véhicules, il faut vraiment essayer. Je pense que c'est déterminant parce qu'il peut éventuellement taper une marche arrière. 40 policiers sont là, réunis en urgence pour une opération sensible, l'interception d'un GoFast, un convoi de 3 voitures conduites par des trafiquants de drogue, partis d'Espagne un peu plus tôt. L'arrestation est planifiée presque seconde par seconde, réglée comme du papier à musique, car les malfaiteurs sont souvent armés et surtout ultra méfiants. Il y a une bagnole qui commence à partir à 200. Vous mettez pas en travers. Les voyous ont déjà emprunté cette route, alors la police quadrille discrètement toute la zone. Yann est au centre du dispositif, avec ses troupes de la brigade de recherche et d'intervention de Versailles. C'est un travail de l'ombre, c'est un investissement hors norme en termes de temps, c'est un investissement hors norme également en termes de risques qu'on prend pour notre sécurité physique, hein, puisqu'on est potentiellement sur des gens qui vont pas hésiter à nous percuter s'ils pensent que c'est un moyen de s'échapper. Et ce qu'on espère juste là maintenant, c'est que ça se passe un peu comme on l'a prévu. Les trafiquants présumés ne sont désormais plus très loin. Alors la BRI se camoufle dans la nuit. Dans le ciel, un hélicoptère prend le relais. Sa caméra thermique suit à la trace les voitures du commando. Puis le top départ est donné. C'est parti les copains. Ah, on resserre les cas derrière, on resserre derrière moi. C'est bon, je vois plein. Top. Je m'arrête. Top, 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 les gars. Le piège vient de se refermer sur les dealers. Encerclés sur ce pont, sans aucune échappatoire, ils n'ont pas eu une seconde pour réagir. Dans leur véhicule, presque 400 kilos de cannabis. Un butin de 3 millions d'euros à la revente. C'est donc sur ce pont que les trafiquants de drogue ont été interpellés. Une arrestation parmi beaucoup d'autres, évidemment, réalisée chaque année par la BRI de Versailles. Des arrestations qui nécessitent chaque fois de très longues, pour ne pas dire d'interminables heures, de surveillance et de filature. De ces policiers obligés de se fondre dans la masse, vous ne verrez pas les visages. Impossible non plus de vous montrer les malfaiteurs surveillés, eux qui n'ont souvent pas la moindre idée que tous leurs mouvements sont épiés. Le travail de la BRI peut être frustrant avec son lot de journées et de soirées entières à attendre, parfois pour rien. Ce jour-là, le groupe est en planque au milieu de maisons coquettes, bien loin des habituelles cités sensibles. Le conducteur sorti également, les deux sont en dehors du véhicule. Le masque chirurgical noir, bonnet noir sur la tête. Tout près de cet élevage de chevaux, des braqueurs sont en train de repérer leur prochaine cible. Le passager qui regarde en direction de la p***, il est baissé, je vois pas ce qu'il fait. C'est quand même vachement intéressant, parce que c'est-à-dire que la cible, elle est là, quoi. Objectif de ces enquêteurs chevronnés de la PJ, récolter des preuves sur lesquelles la justice pourra alors s'appuyer. Aujourd'hui, on est plutôt bien placé, mais il y a un élément qu'on ne détermine pas, c'est la volonté des malfaiteurs de passer ou pas à l'acte ce jour-là. Et ça, vu qu'on n'a aucune prise dessus, la seule solution, c'est de venir tous les jours. Moment incroyable, lors d'une filature que nous filmons, notre caméraman doit subitement se cacher à l'arrière de l'habitacle, car les braqueurs présumés nous doublent en voiture. Ils seront finalement interpellés quelques jours plus tard. Les hommes de la BRI ont eu droit une nouvelle fois à un réveil en pleine nuit. Nous sommes avec eux debout à l'arrière d'un fourgon banalisé. À l'intérieur, les lumières ont été coupées pour ne pas attirer l'attention. Il est 6 heures du matin. Lourdement armés, les policiers doivent arrêter chez lui l'auteur présumé d'un règlement de compte qui a fait un mort et un blessé grave. L'opération se déroule sans accroc, mais ces policiers savent que la routine peut leur être fatale, car certains voyous sont prêts à tout pour ne pas aller en prison. Sachant qu'il a fait quelque chose de répréhensible, il sait très bien qu'on va venir le chercher, donc il se prépare aussi à l'interpellation. Je me rappelle d'une histoire dans le 93, justement, où un individu avait 3 armes de poing à sa table de nuit, prêt à nous attendre. La BRI versaillaise n'aura guère le temps de souffler. Elle participera à 4 opérations d'arrestation et de filature pour cette seule journée.